Les centres régionaux ont un rôle important en matière d'information. Nous sommes là pour vraiment guider l'entreprise à toutes les étapes de sa démarche exportatrice. On aime bien l'idée de guichet de proximité. Le centre régional de la WEX peut suivre a priori tous les types d'entreprises, toutes les tailles d'entreprises, tous les secteurs d'activité. Parmi les critères d'éligibilité pour activer les services de la WEX, il faut d'abord disposer d'un siège d'exploitation en région wallonne, disposer d'un numéro d'entreprise et bien évidemment développer un réel projet à l'international. Les centres régionaux ont une approche de terrain, c'est-à-dire que nous rencontrons systématiquement les entreprises dans leur environnement. Le but, c'est de bien comprendre leurs activités, leurs projets export et de faire le point avec elles si elles sont réellement prêtes à se lancer dans l'aventure de l'international au travers d'un diagnostic de maturité à l'exportation. Nous avons un rôle juridique d'explication sur évidemment le programme d'action, les missions, les participations à des collectivités qui sont proposées aux entreprises. Aussi en matière d'incitants financiers, là on a un rôle d'information assez important. Chez Fishing Cactus, nous sommes en contact avec le centre régional de Mons depuis le tout début. Ça nous a aidé aujourd'hui à prospecter de nombreux marchés, que ce soit l'Angleterre, l'Allemagne ou les États-Unis. Et aujourd'hui, il est toujours en fait un point de contact pour nous. On a été extrêmement bien conseillés, on a fait appel aux services juridiques, donc appel aux experts. On a eu l'aide à l'exportation en dehors de l'Union européenne et alors aussi pour une série de traductions. Nous organisons les rencontres entre les entreprises et les conseillers économiques et commerciaux de la WEX lorsqu'ils sont de passage en Belgique. Et nous organisons un certain nombre d'ateliers, de séminaires, et nous pouvons aussi contribuer à l'accueil de délégations étrangères. On a besoin de se faire épauler, on a besoin d'avoir des experts locaux, des attachés économiques et commerciaux, des gens qui ont l'expérience de l'exportation pour nous guider. Quelle foire faut-il visiter? Quel prospect faut-il choisir quand on en a plusieurs qui nous sollicitent? Et faire ça tout seul, prendre son bâton de pèlerin et passer d'un pays à l'autre, visiter des sociétés, on peut le faire, mais ça prend énormément de temps. C'est vrai que ça a été un accélérateur pour nous de contact dans les pays qui nous intéressaient, et donc le bilan est extrêmement positif à tous les points de vue. KMB Ecostéril aujourd'hui est 100% à l'export, donc la WEX pour nous est un outil, était et sera encore un outil clé pour notre développement. On fait du démarchage commercial dans plus d'une centaine de pays, donc effectivement, c'est très important pour nous.